Good morgen, allez, Iden, je suis aujourd'hui le Nishmat Richard Aaron Ben Fortune Mazal et Arav Chaim Ben Yaakov Israël. Si vous souhaitez vous aider, une prochaine étude, je vais contacter la 5e minute éternelle. Nous étudions la Sechatanit, Perek Dalet Mishnabet. Elohen Mahamadot, les fiches et Nehemar, Tzavet Ben Israël, Vadan Talem et Korbani Lachmi. Vechier, Korbanon Shaladam, Karev, Vehu, Eno, Medal Gabav. Itkino Nevim, Arishonim, Esrim, Verba, Mishmarot. על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים, של לווים ושל ישראלים. הגיע הזמן המשמר לעלות, כהנים ולווים עולים לירושלים. וישראל שבאותו משמר מתכנסים לעריהם וקוראים במעשה בראשית. ובא קומסה מנוע דקובריך קונקרטמו, סקווה למעמדות. למשנה קומסה נויזן, אלו אין מעמדות. תל סרונק מעמדות. דונסון עשו סקווה סטיסטור למעמדות. Comme dit le Barthénois, Matam Tiknou Mahamadot. Pourquoi ils ont instauré les Mahamadot Bichlal? C'est quoi? Alors la Mishnah explique. Les fiches Neymar, parce que le Pasuk nous dit Tzav et Bene Israël. Ordonne aux Bene Israël, va Marta les M, et tu leur diras Et Korbani Lachmi, le Korban de mon pain quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, on parle du Korban du sacrifice perpétuel. C'est qui doit offrir ce Korban? Tout le Ham Israël. Alors quoi? Vichi Her Korbanu Shaladam Karev. Est-ce que c'est concevable? Comment concevoir que Korbano Shaladam Karev, le Korban, le sacrifice d'un homme, il est offert au Beth Amikdash, et lui, il ne se tient pas à côté de lui. C'est possible que quelqu'un... Toi, tu es là en train de travailler, de jouer, à, je ne sais pas quoi, à regarder un match de foot, et pendant ce temps, tu as un Korbano Beth Amikdash qui te fait une capara. C'est digne, c'est comme ça qu'on fait une capara. Viens, tiens-toi à côté de ton Korban, c'est normal, c'est une règle minimale. Eh bien, selon ce principe, on a le Am Israël, il a le Korban Tamid une fois le matin, une fois l'après-midi, eh bien il faut laisser, il faut prévoir un groupe de juifs qui est à côté de Israël, parce que les Kohanim sont occupés, les Lévim sont occupés, les Kohanim, eux, ils font la Voda, les Lévim, c'est eux qui chantent au Beth Amikdash. Il faut chanter pendant qu'on fait le Korbanot. Mais donc on apporte aussi un groupe de Bnei Israël, de gens du peuple d'Israël, pas ni Kohanim ni Lévim, et qui se tiennent à côté du qu'ils se tiennent à côté du Korban pour faire la tefila. D'accord? Maintenant, donc, de ce fait, à Veweno, mais est-ce que, donc, je reprends. Vechi, er Korbanosh à la dame, Karev, comment concevoir qu'un Korban d'un homme, il est offert au Beth Amikdash, Veweno, Medal Gabav, et lui, il se tient pas à côté. Alors, de ce fait, Itkinu Nevim Arishonim, ils ont instauré les premiers prophètes. Ça date de quand précisément? C'était David ou Shmuel. Ça rapportait dans la Gemara, même si tu fais la rapporte ici. Que Tosafim Tov aussi. Donc, Itkinu Nevium Mirishonim, les premiers prophètes, ils ont instauré que Esrim Va'arba Mishmarot, 24 Mishmarot, 24, comment dire, des rondes, des groupes, que Alkol Mishmar ou Mishmar, il y avait 24 groupes de Kohanim, 24 groupes de Lévim, et 24 groupes aussi de Israël, que Alkol Mishmar ou Mishmar, pour que chaque groupe et groupe qui apporte, chaque ronde, chaque service, qui est arrivé, eh bien, Ayam Mahamad Birushalayim Birushal Kohanim. Il y avait Yerushalayim Mahamad, une présence à Kohanim, de Kohanim, et de Levim, et de Israélim, aussi. Ok? Maintenant, Igazman Mishmar La'alot, lorsque le Zman, la période du Mishmar, elle arrive, ça arrive cette semaine qu'il y a un groupe qui doit monter, un des 24, eh bien, Kohanim ou Levim, Olim Yerushalayim. Les Kohanim et les Levim, eux, ils montaient à Yerushalayim. Tandis que, pour faire la Voda ou Beth Amikdash, tandis que Israël chez Boto Mishmar, les Bnei Israël qui étaient dans cette même ronde, eux, ils n'avaient pas besoin de monter à Yerushalayim. On va expliquer un peu mieux parce qu'elle a eu un problème. Mais Israël chez Boto Mishmar, les Israël qui étaient de cette même ronde, eux, ils n'avaient pas besoin de monter à Yerushalayim. Mais Mitkansin Larem, ils se réunissent dans leur ville, mais Korin Be Maase Bereshit, et là-bas, ils devaient lire le Maase Bereshit, entre autres, avec leurs tfilotes et leurs jeûnes qu'on va voir ensuite, ils devaient en plus de ça lire le Maasé Bereshit, lire la création du monde chaque jour selon la création qu'Hachem a créée. On verra ça plus longuement dans la Mishnah Gimel. Le principe est très simple, il est pour nous apprendre que le monde, il est soutenu grâce à la Torah, à la Avoda, à la Gemilot Hasadim. Donc là, c'est la Avoda, c'est le service qu'on fait au Beth Amikdash. Et de ce fait, alors pour bien exprimer que le monde, la création du monde, elle tient grâce à au Korbanot, alors on lisait la paracha de la création du monde pour les Mahamadot. Plus précisément, il y a un petit problème à comprendre comment expliquer. Par rapport au groupe des Bnei Israël,
Il y avait en fait, c'était pas tout le monde qui montait à Yerushalayim. Il y en avait qui partaient dans la synagogue du quartier, ou de la ville, ils se réunissaient quand même. Et il y en avait d'autres qui partaient à Yerushalayim, ou plutôt des gens qui étaient présents à Yerushalayim, qui étaient plus proches d'Yerushalayim, qui devaient directement aller là-bas en Korbanot. En réalité, en fait, on va prendre que il y avait pour cette, la semaine prochaine, on a. Donc on va voir le groupe 7, 8, qui doit maintenant, c'est ça, ça vient, ça. Ça vient, salut la tour en août, la garde de monter au Beth-Amikdash, et bien on va dire, vous savez quoi, ceux qui sont près d'Yerushalayim, montez à Yerushalayim, ceux qui sont trop loin d'Yerushalayim, qui peuvent monter, réunissez-vous dans votre synagogue, et là-bas vous allez prier, et pour faire la tefila, comme ce qu'on va voir dans la prochaine Mishnah, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout, salam.